Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis à Yaoundé pour faire un tour pour vous montrer ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous avais promis que j'allais faire les attaches. Et chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, avec mon équipe, nous sommes là. On va prendre soin des poivriers. Voilà. Donc, pour faire les attaches, je vous ai dit, on a d'abord remplacé d'abord tous les tuteurs. Bon, les tuteurs qui étaient morts. Parce qu'on peut attacher un poivrier sur un tuteur qui est mort. C'est pas très bon. Voilà. Ça va donner un double travail. Donc ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est venir attacher tous les poivriers. Donc c'est ça. Vous voyez comment le soleil la chauffe, non? Donc toujours la pluie persiste de se prononcer. Donc là, on va utiliser les grands moyens pour pallier à ça, mais c'est pas un problème. Voilà. Mais sinon, en gros, le champ se porte très bien. Vu l'évolution des plantes, quand je vois juste les feuilles avec la tige des papayers, les poivriers, au contraire, n'ont même pas de problème. Voilà. Donc, et le macabo aussi, c'est superbe. C'est même les papayers qui sont un peu plus gourmands en eau. Ouais. Bon, du coup, je vais les apporter ça. Une part en engrais et l'autre part en grand moyen. Donc, vous allez voir l'utilisation des grands moyens que je vais appliquer ici pour remédier à cette plantation. Parce qu'il faut que ça se ferme rapidement que possible. Pour qu'on puisse gagner sur le marché et de vendre les papayes au bon moment. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va pas être très long. Vous allez voir comment, même malgré la sécheresse, on ne perd pas de vue notre projet. Donc, ça dit que quand on a un projet, ça dit qu'on a, on a des objectifs. Donc, du coup, c'est pourquoi on va pas négliger ça. Donc, nous sommes là quand il faut. Donc, quand la plantation nous appelle, nous venons, nous avons un calendrier de production, ce qui est très important et très remarquable dans l'implantation. Si vous n'avez pas un calendrier de production, forte chance que vous allez échouer votre projet. Parce que l'année, c'est 12 mois, et du coup, le temps, ça passe très vite. Donc, si vous n'êtes pas vraiment organisé, structuré, c'est pas facile que vous réussissiez. C'est pourquoi vous voyez, quand vous allez me voir souvent régulièrement en plantation, après, je vais prendre le repos quand la plantation va déjà me permettre. Quand mon arbre va déjà me couvrir. Parce qu'actuellement, j'ai planté l'arbre. L'arbre est encore petit. Donc, l'arbre ne peut pas encore me protéger contre le problème de l'ombre. Donc, pour ça, il va falloir que je continue toujours à arroser mon arbre pour que ça puisse me donner l'ombre. Or, les gens font le contraire. Quand ils commencent à mettre une muse, quand l'arbre n'a même pas encore enraciné, ils s'en vont en vacances. L'arbre va mourir. Donc, nous, on va arroser notre arbre parce que ça va nous arroser. Ça va nous couvrir avec l'ombre et puis on va laisser. Là, l'arbre continue toujours à nous protéger durant nos vieux jours. C'est ce que mon partenaire est en train de faire. Et grâce à nos conseils, on lui a apporté au quotidien. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et si quelques temps, elle va essayer de rentrer dans ses charges. Elle sera aussi autofinancée. Même si elle est en Europe, la charge d'Europe, la charge qu'elle dépense là-bas, elle ne va pas trop voir ça comme un problème. Pourquoi? Parce qu'elle a un pivot, un pion. Qui est le poivre ici au Cameroun qui va pouvoir supporter ses besoins de l'extérieur. Donc c'est ce que Afumatu essaie de conseiller à ses partenaires pour que ils puissent préparer leur retraite sans ne pas compter chez quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire pareil aussi. Vous avez le choix de faire pareil. Voilà, on va faire un tour, vous allez voir comment la plante se supporte. Et on va se séparer à très bientôt. Merci les amis. On va donner la plantation. Je vous ai montré que même les branches des tuteurs, on va les casser. On va casser toutes les branches qui sont pendues pour ne laisser qu'une seule branche. Vous voyez, pour ne laisser qu'une seule branche. Qu'une seule tête, pas qu'une seule branche. Pour que la tête la grandisse au plus vite que possible. Quand on laisse une tête, maintenant si on va d'abord laisser d'abord deux avant de voir la meilleure direction, mais c'est une tête qui est mieux. Pourquoi? Parce que la tête là doit vite grossir et le tuteur doit rapidement devenir un tuteur imposant, les amis. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc les attaches, nous sommes là, l'équipe est là en place. Vous voyez que les gens qui attachent sont pas nombreux, non? Parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise attacher le poivre. Vous voyez,
Les gens, les gars qui ont remplacé les tuteurs, vous voyez comment ils ont fait coucher mon poignet au sol. C'est pourquoi, heureusement que nous sommes là, du coup, vous dites non à ça. Ouais, c'est pas tout le monde qui attache. Donc, les amis, regardez ce qui se passe. Vous voyez comment nos papas changent déjà. Voilà, je vais vous montrer seulement comment ça change. Je vous avais dit que ça devait changer. Et ça change vraiment. Donc là, je peux être tranquille que mon fait quoi, mon partenaire. Elle ne va pas perdre. Elle va bien occuper son argent. Inutile. C'est pas bien que. Elle me paye et puis son travail n'est pas bien fait. Moi, je ne compte pas trop à ça. Moi, je préfère. J'aime aussi l'aspect social. Que son travail se passe dans de très bonnes conditions. Vous voyez? Comme ça, quand je touche mon salaire, je suis fier de ce que je gagne. Wow. De jour en jour, le poivrier ne faut que grandir, les amis. Vous voyez, comme je dis, l'aspect social, de jour en jour, le poivrier ne faut que grandir. Vraiment, ça m'étonne même. Hein, parce que avec le soleil, mes attentes n'étaient pas à ce niveau aussi. C'est que ce poivre-ci, ça dépasse mes attentes, les amis. Ça dépasse mes attentes. Vous voyez, comme je dis, donc, il ne faudrait que pas parce que. On me paye un gros salaire et puis le champ ne se porte pas bien. Non, moi je veux pas ça. Moi je veux pas ça. C'est pourquoi moi j'ai dit non à ça. Ouais, j'ai dit non à ça. C'est pourquoi je vais tout faire pour que sa plantation puisse réussir. Ouais, je vais tout faire pour que sa plantation puisse réussir. Donc ce que je fais ici, c'est quoi les amis? Ce que je fais ici, vous allez voir que celui qui attache. Ouais, on voit qu'il y a des gens, l'équipe qui se baladent pour contrôler, parce qu'il y a un contrôle. On doit contrôler si chaque pied de poivre est mis sur chaque tuteur, parce que c'est ça, on doit contrôler. Il ne faut pas, je veux même pas, si j'ai envie d'avoir un tonnage au moins à l'hectare, je veux avoir au moins 5 tonnes par hectare ici. C'est ça, ma convention, je vais avoir 5 tonnes, c'est ça mon challenge. Donc c'est pourquoi on doit contrôler si chaque pied de poivre est là. Pour que chaque pied me donne au minimum 2 kilos. C'est ça le but les amis. Donc vous allez voir que celui qui attache. Le voilà là-bas en bas. Celui qui attache. Oui. Voilà. Il n'est que lui, hein, c'est lui seul. Avec moi aussi parce que moi aussi je ne dois pas le laisser, comme ça. Je dois travailler avec lui. Pour que ça aille vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui attache. Il faut les spécialistes les amis. C'est pas un jeu d'enfant. Quand il s'agit du poivre, ce n'est plus un jeu d'enfant. Le jeu est terminé. La papaye encore on peut tolérer, les amis. Mais le poivre, c'est pas un jeu d'enfant. Ça c'est la cour des camps. Et avec l'argent que j'ai vu que ça, elle a dépensé, je peux pas m'amuser. Vous voyez les amis, c'est pourquoi moi-même, je suis là et je vais venir là. Quel que soit le nombre de jours que ça va me prendre, il faudrait que je finisse de tout attacher ça. Et puis je pars. Donc c'est pas tout le monde qui attache ça. Parce qu'il y a un sens. On n'attache pas ça n'importe comment, les amis. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que c'est vraiment, vraiment technique et pratique. Waouh. La croissance de ça, hein. C'est vraiment grand, gigantesque, les amis. C'est vraiment gigantesque. Donc, vous voyez, les macabos se portent très bien. Elles auront un bon tournage à macabo. Mon partenaire. Je vois le tournage sur les troncs. Regardez les troncs. C'est ça. J'avais dit, je l'avais promis, elle ne croyait pas. Ça me dit à les enfants, hein. C'est même à 6 mois, c'est bon. Hein. Je l'avais promis que les amis, que mon macabo que je vais faire chez elle aura la tige du plantain. Elle m'a dit qu'elle ne croit pas. Mais vous, quand vous voyez ici, là, ça, il y a les plantains qui n'ont pas ce gabarit ici, les amis. Alors, je l'avais promis, voilà, c'est à 6 mois seulement. Combien de fois quand ça aura un an avant. Donc, je sais ce que je fais, je sais ce que je vois, tout ça, je sais ce que je fais, ce que je vois. Et avant que je ne lance. Ce truc, cette chaîne, ou avant que je ne débute avec vous, je n'ai pas commencé comme ça. Je ne me suis pas levé un beau matin pour le faire, les amis. Je prends peut-être quelques 10 minutes pour vous expliquer. Ça, c'est un travail qui m'a pris au moins 20 ans d'expérience. 20 ans, les amis, d'expérience. Voilà, évitons de parler de moi pour ne pas trop vanter le mérite. Mais je vous dis juste que ce n'est pas un jeu d'enfant, non. C'est pas au hasard. Tout ce que je fais, c'est préparé. Et je sais d'où je vais. Et je sais que je vais réussir, quelles qu'en soient les circonstances. Et je suis sûr qu'avec la prière, parce que il faut aussi mettre sur Dieu aussi devant. Avec la prière, les choses vont bien aller. Voilà.
Ouais, comment c'était évident qu'on attache nos poivres. Vous me regardez le poivre, regardez comment ça se balade de ça. Un poivre qui n'a même pas encore 2 mois. Vous montrer que, et regardez souvent le soleil est vraiment ardent. Pour vous montrer que c'est pas un jeu d'enfant. C'est vraiment, vraiment. Et ce qui me plaît avec ça, que le champ est propre, les amis. Le champ est vraiment propre. On a mis la propriété là. Tout est ok. Le champ est propre. Regardez-vous, regardez le poivre ici. Regardez celui-ci. Donc la tâche là est vraiment importante. Est vraiment importante. Il faut, les amis, il faut aussi. Et je demande pardon, hein. Mon vocabulaire, franchement. Souvent, c'est pas quand je revois mes vidéos, moi, je ris. C'est pas soigné. Mais il faut prendre ça comme ça. Vous voyez, nous sommes au champ. Et souvent, les mots là sautent comme ça. Vous voyez un peu. Souvent, je fais certaines absences là. Mais il faut, c'est pas ça qui est le plus important, les amis. C'est ce que je peux vous montrer. Souvent, même quand je revois mes vidéos, ça me fait rire. Mais c'est comme ça, vous allez voir à chaque fois, il y aura toujours les petits mots qui vont sortir comme ça, qui seront un peu derrière. Mais c'est pas important. Mais les amis, moi aussi, je me fâche contre vous. Parce que je profite une fois pour parler de cette vidéo aussi. Je me fâche, la vidéo sera un peu longue. Mais je me fâche contre vous, les amis, parce que ce que vous faites là n'est pas bien. C'est pas bien comment? J'ai souvent les vidéos, j'ai pas trop de vues. Des vues ne me dérangent pas trop. Mais ce sont les likes. Je voulais que. Si j'ai au moins sur un vue, que j'ai au moins un like. Il y a seulement quelques personnes qui me font confiance. Quelques personnes qui sont en accord avec moi, qui me mettent les likes, les amis. Vous achetez ça, les amis. Vous achetez les likes, là. Balancez les likes, non. Balancez les likes. Encouragez Afrique Mature. Encouragez votre frère. Regardez le poivre. Encouragez votre frère. Vous voulez qu'il grandisse comment? C'est au moins par là que vous pouvez commencer par m'aider d'abord, les amis. Je ne veux pas l'or. Eh les amis, je ne veux pas l'or. Comment on va grandir? Je vois souvent les chaînes souvent de certains confrères, souvent certains blancs. Je vois les likes sont faits. Si vous les donnez les likes, c'est vrai. On ne fait pas le racisme. Hein? On fait pas le racisme. Mais les amis, c'est vrai qu'ils font les bons produits, ils ont les moyens pour avoir les bons appareils. C'est bien, le rythme est là. Mais moi, votre frère, moi je n'ai pas ces moyens là, les amis. Vous allez m'abandonner comme ça. Waouh, regardez le poivre. Les amis, regardez le poivre. Oui, vous allez m'abandonner comme ça, les amis. Donc, parce qu'il n'y a pas les moyens pour m'avoir les bons appareils, pour faire bien. Donc, vous allez laisser votre propre frère balancer les likes, non. Partagez. Partagez, non. Balancez. Toi, là, tiens, tu le vois là comme cela. Est-ce que tu as même mis like? Mets d'abord like, d'abord, on est continué à voir. Mets d'abord like. C'est maintenant, je force maintenant. C'est maintenant la force. Je force maintenant. Mets like. Mets le like. Ça va nous aider. On sera vu. Hein? Les gens vont me voir, la chaîne va grandir. Demain, je serai aussi un homme. Hein? Je serai aussi un vrai. Mes amis, et il ne peut pas être vrai seul. Si tu ne m'encourages pas, balancez les likes, les amis. Balancez les likes. On va très loin. On ne va pas s'arrêter ici là. Balancez. Moi, je veux que cette vidéo-ci, si ça a seulement 10 vues, je veux que ça ait 10 likes, les amis. Je vous en supplie. Balancez les likes. Moi je veux ça. Chaque fois où vous voyez, je vois pas les likes. Je me demande même où ce n'est même pas bon. Où je perds mon temps. Où je bouffe la connexion des gens, l'internet des gens pour rien. Parce que vous, on voit, il n'y a pas de likes. On n'aime pas. Et les amis, balancez les likes. Voilà les amis, c'est la vidéo, elle sera un peu très longue. Mais c'est. Vous voyez, non, vous voyez ce qu'on fait ici. Vous avez une idée. Donc, je vous remercie. Hein. De passer un peu de temps et comme vous avez vu comment ça se passe, donc à chaque fois je vais toujours vous montrer des vidéos comme ça qui pourront vous aider dans vos divers projets agricoles, les amis. Dans vos divers projets agricoles, cette vidéo sera deux volets, un volet explicatif. Vous allez voir comment l'autre vidéo, vous allez voir comment les gens sont attachés, l'équipe est attachée. L'autre vidéo, vous allez voir comment ça évolue. Donc déjà, je ne stresse pas trop. Je sais que ça va aller. Vous voyez les amis, ça va aller. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, quand la pluie va, même si la pluie ne vient pas, je vais utiliser le grand moyen. Donc la plantation va bien donner, ça va aller, normalement. Ça va aller, donc, vous voyez comment
comment on attache nos roues, comment ça a l'air. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien et bio, les amis. Voilà. Donc, je voulais tout dire, il y a un sens qu'on attache. Il y a un sens. On n'attache pas n'importe comment. On attache ça mal, ça n'évolue pas. Et c'est un travail qui n'est pas facile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Un travail qui n'est pas facile. Ça demande de la technique. C'est pour ça que c'est là. C'est pas tout le monde qui va le faire. Je vais tout dire ça. Je vous redis. Parce que vous avez dit que je parle, je répète encore. Si vous n'avez pas fait comme ça, après vous dites que vous commencez à pleurer. C'est pas tout le monde qui fait comme ça. Pas tout le monde qui doit attacher. Donc, ça doit avoir un sens. Pour que ça pète la branche rapidement. Pour que le poivre rapidement devienne grand. Vous voyez comment le tuteur grandit et le poivre est là. Je suis poivre, si dans 2 ans, quand vous allez venir sur le champ, vous allez voir tout ça sera noir avec le poivre. Voilà, mes amis, balancez les likes. Moi, je vais voir les likes. Voilà, à une autre vidéo, les amis. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre considération, les amis.